Bienvenue au jour 2 de Happy Life Rénovation. Le projet aujourd'hui, Caroline va participer à enlever toutes les petites poignées avec ses petites mémines puis un tournevis qu'on va trouver. Après, on va peinturer ça en noir. On va peut-être peinturer ça en noir aussi, juste pour voir, ok? Parce que là, on fait des rénos à petit budget et comme on a aucune idée de ce qu'on fait, faut qu'on fasse des tests sans que ça nous coûte cher. Fait qu'au lieu d'acheter des poignées à 200$ pour toutes les poignées puis une nouvelle hotte noire, mais on va la peinturer puis on va voir. Puis si c'est laid, ben on saura qu'il faut pas acheter une hotte noire. C'est pas plus compliqué! Après ça, on va repeinturer le mur en blanc, juste pour que ça soit moins rouge. C'est pas moi qui avais peinturé le mur en rouge, ok? On se calme. Après, on change les comptoirs pour avoir le même comptoir qu'on a sur notre lavabo, qui vient de chez IKEA. On vous met les liens en bio. N'hésite pas à t'abonner puis à liker la vidéo pendant que t'es là. Puis si t'as rien à faire, là, écoute-la au complet la vidéo, ça va me faire bien plaisir, mon chum. Ça va être ça! Ça va être ça! Ça va-tu bien se passer? Ça me surprendrait. Mais vous allez voir ça dans la vidéo qui suit à l'instant. Donc, l'accoutrement de base du parfait rénovateur, des crocs spéciales pantoufles, ok? Ils en font plus des comme ça. Ça, c'est vintage, ça a au moins 10 ans. La première étape, ça va être d'enlever toutes les petites vis, là, comme on a vu la dernière fois. Si t'as pas vu la dernière fois, on va voir la vidéo sur mon mur, là, faut enlever tout ça, ok? Je pourrais arracher à coup de hache, hein, Caroline, le comptoir, sauf qu'on veut juste changer le dessus. Fait qu'on se revoit un coup, j'ai dévissé tout ça, ok, guys? Toi, tu commences à dévisser tes poignées de porte, là. Comment je fais pour les dévisser? Tu prends un tournevis et dévisses. Bon, ok, problème numéro 1, guys! Faut enlever le tiroir pour dévisser ça. Ok, ben, c'était pas un si gros problème, finalement, ok? Mais pour moi, tout est un problème. Le chien va aller dehors. On va aller mettre le chien dehors. Tu vas aller dehors, bonhomme? Ah ouais, je t'ai pas donné la bonne, mais garde ça. Hey, garde ça! Épreuve numéro 1 pour Caroline! Trouver la bonne bite pour aller dans le trou et défaire les poignées. Let's go, bébé, on te regarde. Regarde, lui, il est trop petit. Il en faut enlever légèrement plus gros, mais je sais pas comment on fait. Bébé. Ah, oh, c'est-tu, il faut enlever deux tiroirs. C'est quoi ça? Pas rien que sans faire, ils m'ont enlevé des tiroirs, là. Oh, yes. Tu peux me le mettre là-dessus? Mais non, mêlée, toi. Si. Attends, sinon je te crève un œil, hein. Fait que toi, tu remplaces une bite carrée par une bite plate? Non, mais ça va me prendre un an. Un an et 10 jours. Mais oui, mais Chris, pourquoi tu prends une bite plate? T'es bizarre, mais est-ce que tu pourrais m'aider? Il dit une grande bite plate. T'es bizarre, merde. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un de bizarre de même. Bite carrée. Elle était trop petite, la tienne? Oui. Mon Dieu. Bébé! Quoi? Et de une! Donc, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Le vlog va être long! Lâche pas, bébé, t'es capable! Bon, moi, je peux-tu dévisser mon comptoir? Donc, à la maison, très important, ne perdez pas vos vis! La dernière fois, je m'en suis rendu compte un peu sur le tard. J'ai cherché mes vis, mais ça a fini par bien aller, tu comprends, mais... Oh! Et t'en passes! Numéro 2! C'est l'étape numéro 2! On drop un like! On drop un like, guys! On drop un like! Oh mon dieu! Il faudrait que je puisse filmer ça, bébé! Ben, filme les Chris! Hey. Sherlock Holmes! Attention, tout le monde! Sherlock Holmes! On va filmer le bordel derrière! Alors, étape numéro 2. Vous allez me demander, et où l'étape numéro 1? L'étape numéro 1 est dans le premier vidéo, ok? Aujourd'hui, c'est étape numéro 2. Je pense qu'il va falloir gratouiller là, un petit peu, là, là, parce que là, il y a de la merde ici. Mettons, je gratouille à coup de couteau. Ben, voyons. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Des rénovations! Puis là, moi, j'ai enlevé... J'ai commencé à enlever ça! Fait que ça, guys, c'est le silicone qui a été mis par les... Les gens qui ont construit la maison, là, parce que ça, c'est clairement le comptoir d'origine. Cheap et laid. Ça avance. Non, mais là, ça va. Hey, ça va être bien moins. Ah, écoute-moi quand je te parle. Ça va être bien moins long et complexe que de poser un lavabo. Là. Quand même, moi, j'ai pas de trou à faire. J'ai juste quelque chose à couper en ligne droite. Ça va. Ça risque de bien aller. Moi, je pense que pendant ce temps-là, je vais aider un peu Caroline ses armoires parce qu'on va coucher ça dans le style. Faire pas les vis, hein. Mais non, je les laisse accrocher. Ah, tu laisses les vis accrocher? Oui. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est-tu toi qui vas les peinturer? Ouf. Mais pourquoi on n'a pas gardé celle qu'on avait achetée? Parce qu'on sait même pas si ça va faire. Moi, si je peux sauver 200$ de
de cette petite poignée Ikea. Là. En fait, en plus, on a acheté exactement les mêmes qu'on a, mais en noir. Là. Tu veux-tu, Chris? On va pas payer 200$ pour remplacer ce qu'on a par la même chose. On a juste à y peinturer. Donc là, on est toujours en mode... on enlève les petites poignées d'armoire. J'ai décidé d'aider Caroline parce que sinon, on va forcément pas s'en sortir. Pendant que t'es là, mon chum, là, écris-moi en commentaire si tu penses que ça va faire la job. Ça noir, les poignées noires, puis le mur blanc avec le petit comptoir. On t'a-tu montré le comptoir? Je sais pas si on te l'a montré. Non, t'as pas... Wow, sacrément. On t'a pas montré le comptoir, mais c'est le même comptoir qui c'est. Ça va être beau. Bon, l'affaire, c'est comment on va faire pour peinturer ça. Et bien sûr, vous avez remarqué que je travaille toujours avec mes magnifiques outils d'homme mâle et masculin de viril de construction Mastercraft. Je ne suis pas sponsorisé par Mastercraft. Donc là, c'est les petites poignées qu'on est censé mettre en noir. Ah, clairement, calme-toi. Fait que ça, c'est fait. Moi, j'enlève l'autre bout de comptoir. Ça va, le curage de nez? Non, mais franchement, la haute, elle est dégueulasse, faut la virer, hein. Tu vas pas me repeindre ça en noir. Hein. Hey, on va la repeindre en noir, tabarnak! Elle est vide, non? On va la. Vous êtes très belle. On va la repeindre en noir avant de n'acheter un autre, savoir si c'est noir ou pas, Chris! T'imagines, on achète une autre noire. Hey, en plus, il y a de l'électricité là-dedans, là. Je connais rien là-dedans, moi, ça va être la stine marde, là. Je la débranche même pas, je la repeinture, là. M'en connaisse! Si j'achète une hotte noire pis je peux avoir de la brancher pis que c'est laid, m'en va de l'air d'un cave. Je suis aussi bien de la peinturer comme ça, m'a tout de suite voir si c'est beau ou pas. Tu vas te calmer. J'essaye de me calmer, mais si tu me pousses dans mes derniers retranchements. Tes derniers retranchements? Mes derniers retranchements. Faut que t'enlèves les petites plaques aussi. Non? Quelles petites plaques? C'est quoi des petites plaques? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi une petite plaque, bébé? Pour votre information, Caroline, elle est née dans une grotte. Mais c'est quoi une petite plaque? Les petites plaques à stylé! Ça, c'est des prises! Pas les prises, les plaques à l'entour de la prise! Ah ben, il faut que tu me dises, enlève la prise, je vais enlever ça. Mais je sais pas comment on fait pour enlever ça, puis c'est de l'électricité. Quand je disais Caroline, elle est dans une grotte, là. On continue à dévisser. Je pense que j'ai évolué comme un Pokémon. Pourquoi enlever les vis, si je peux les laisser là? Là, c'est la partie la moins fun. Là. Toi, tu filmes-tu, là? Parce que là, ça sera pas plaisant, là. Qu'est-ce que c'est, ça, bébé? Est-ce que t'as fait quelque chose hier soir? On est un petit gang de pas propre. C'est ça qui se passe. Comprends-tu? Ce qui se passe, que si c'est pas moi qui fais le ménage, il y a personne qui le fait. C'est ça qui se passe. Puis comme je suis occupé à jouer à Pokémon, ben y a personne qui fait le ménage. Oh, si on a même pas vidé les armoires. Oh, là, il y a un petit problème qui s'en vient. Moi, c'est sûr, je peux pas couper ça, là. C'est sûr, je peux pas faire un ongle droit de même. C'est physiquement impossible. Comment on va faire, bébé? Je pense, on le voit pas. Ben, regarde, watch-moi bien. Watch-moi bien, femme! Est-ce que vous nous suivez sur TikTok? Pendant que vous êtes là, là, je veux savoir. Est-ce que vous avez vu la vidéo à partir de TikTok ou à partir d'Instagram? Ou vous l'avez trouvée sur YouTube? Moi, c'est ça, je veux. C'est ça, je veux savoir. C'est parce que je rentre pas là-dedans, moi, là. Là. Ça va, bébé, tu t'en sors? Fuck you. Fuck you? Tout ça, ça va être changé et ça va être de la même couleur que ça. Le trésor. Y'a pas de trésor, tabarnak. Rien qui se passe, là. T'as son poids, laisse ta chienasse. C'est bon. Ah! Ah! C'est bien lourd, ça, c'ti. Ok! Et t'en pousses! Et t'en pousses, nous mal. Et tampos numéro dos! Je parle espagnol aussi, couramment. Écrivez-moi en commentaire en espagnol. Hablas espagnol! C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai pas vraiment de storage. Puis je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça aux poubelles. En attendant, on va mettre ça. Oh! Ben voyons. Bon, j'ai brisé la galerie. Pas grave, il faut rénover la galerie aussi. Préparez-vous cet été, c'est Happy Life Rénovation, la galerie du Colis. Ça fait peur à Flocky. Oh non, Flocky, pauvre Flocky. Ok, ou Flocky ici. On est à l'étape peinturée. On enlève l'ancien silicone à grand coup de couteau de cuisine. Hey, j'ai trouvé une perceuse. Pour peinturer, il faut sortir le four. Tu vois, ça, c'est une affaire que j'avais pas trop calculé. Mais là, mon cerveau vient de me dire, Big, faut peinturer en arrière du four. Peinturer en arrière du four, faut sortir le four. On va sortir le four. Dans les commentaires, j'aimerais ça savoir ça fait combien de temps que t'as pas regardé en arrière de ton four. Moi, j'ai un traumatisme quand j'étais jeune parce que j'avais un hamster. Puis on a perdu le hamster, on est parti en vacances, on est revenu. Puis le hamster, on le trouvait plus, il avait sorti de sa cage. Puis c'est moi qui ai retrouvé le hamster quelques semaines ou mois plus tard. Il avait mordu le fil du four. Pas si tu le sais, là. Les petites bêtes, là, grosses de même, quand ça mord de 220. Hein. Puis quand je l'ai enlevé sur le fil, là, les dents, ils ont resté pris sur le fil. Et tapos numéro dos! On sort le... Oh non! Ça passe pas, bébé.
OK, attends, on va sortir le frigidaire. C'est pas compliqué. Pas compliqué, là, il y en a pas de problème. On sort le frigidaire, puis ça s'arrête là. Oh, bébé, tu vas tout casser. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, ça passe pas. Ça passe pas. On est coincé dans la cuisine, bébé. Le frigidaire, il sort pas. On peut plus sortir le frigidaire de la cuisine. Tu parles de petit comptoir de Chris du trou du cul du tabarnak. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est bien calme, ça, Chris. Moi, je peux plus sortir mon frigidaire. Va falloir péter le mur, bébé. On n'est pas rendu là dans mon étape d'apprentissage à comment faire des rénovations, OK? Qui est pour qu'on pète le mur? Non, tu vas chier. Y a pas personne qui va péter le mur ici. Le salon derrière, comme ça ferait une aire ouverte. Votée. Un air ouvert de quoi? J'ai pas de budget, Chris, ça me coûte trop cher, 200 pièces de poignée de porte. On va laisser les gens voter. Qui est pour péter le mur? Vous enverrez un chèque si vous voulez péter le mur, mais exasti. On va passer outre le fait qu'on vient d'apprendre qu'on pouvait pas sortir le four ni le frigo de la cuisine. Ça, c'est cave, en esti. Je suis au bout de ma vie. J'ai peut-être l'air impatient des fois, mais sachez que elle me fait ça 30 fois par jour. J'y pose une question, elle a aucune idée de la réponse, mais elle me répond quelque chose, puis elle est bien sûre d'elle. Tu sais, genre, hey, ça donne combien 171 plus 2. Puis elle fait genre 22. C'est t'es con. Elle me fait tout le temps ça. Tout le temps. Petite étape nettoyage de mur, parce que j'ai aucune idée si c'est une bonne idée de peinturer sur de la graisse de mur. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des idées, des suggestions. On va peinturer avec mon restant de peinture. Là, j'avais besoin d'une petite solution pour peinturer tout ça sans que ça finisse en chaos. Je me suis dit qu'en plantant des clous là-dedans, ça ferait la job. Tu comprends? Fait que si je fais ça comme ça, hop, je mets mes petits poignets ici, comme ça je peux les peinturer. Es-tu un génie ou je suis pas un génie? Je pense que je suis un génie. Je pense que je suis la réincarnation de Pinocchio. Ben voyons, Pinocchio. Pinocchio, pour tout le monde, qui est un personnage réel, d'un film, d'un fait vécu, tourné en mille quelque chose. C'est l'histoire d'un petit gars qui se fait avaler par une baleine. Ben non, là c'est Gepetto qui se fait avaler par la baleine. Pinocchio, il se fait pas avaler par une baleine? Non, c'est Gepetto. Pinocchio, il se fait pas avaler par une baleine? Pinocchio, c'est un petit pantin de bois. Puis il se fait pas avaler par une baleine? Non, c'est Gepetto. T'es sûr? Ah ouais, c'est Gepetto. Ben, Chris, je vais être la réincarnation de Gepetto. Faisait quoi dans la vie, Gepetto? Il sauve des choses en bois, puis il leur redonne vie, je crois. Donc c'est le père à Pinocchio? Oui, mais c'est le père adoptif. Fait que dans le fond, je suis la réincarnation du père à Pinocchio. Oui. Pas le père adoptif, c'est lui qui l'a créé, non? C'est le père d'un menteur, en gros. Pinocchio, c'est un menteur? Ben oui, il y a toujours son nez qui s'allonge, il ment. Oui, mais il apprend la vie. Là. Fait que là, on installe tous les petits poignets. Je suis pas sûr que ça va bien finir ça. J'ai l'impression qu'ils sont trop proches. Est-ce que j'aurais dû les sabler? Je le sais pas. Je n'ai aucune idée. Moi, je suis un professionnel, là. C'est-tu quand tu commences de quoi? Tu le fais au complet one shot. S'il y a bien un spécialiste en construction ici, sur le YouTube game, c'est moi là. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme vidéo YouTube? Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un OnlyFans? Non illustré! Ben voyons! Ben voyons, bébé! Tu as assez passé, tu penses? Ben oui. Là, le but, c'est de pas en mettre sur le comptoir. Ben oui. Ça me fait peur un peu. Ça me fait peur un peu. Ah, ça pue. Ça sent super bon. Hé! Hey, combien qu'il y a de personnes ici qui aiment l'odeur là? Il y a du monde qui se drogue à ça. Ah, moi, je déteste. De toute façon, c'est juste un test. Moi, je pense que c'est une belle manière de sauver 200 piastres. Puis là, comme je suis paresseux et lâche, je vais aussi peinturer ça. Hein? Bébé! Non! Hé, hey, c'est moi, le chef des rénovations! Étape numéro 2! Non, mais c'est beau quand même. Ben oui, comme ça va être beau, ça va être aussi. Tu penses? Non, mais j'avoue que si ça reste brillant comme ça. Ben oui! On dirait que tu les as achetés en magasin. Ben oui, viens de sauver 200 liens. C'est moi le génie, ça, toi. Là, j'utilise encore le tape ben trop fort. Bon, fait que là, gars, je vais mettre le tape, là, puis il arrivera ce qui arrivera. Vous allez tout savoir à la maison si ça vaut la peine de repeinturer sa porte ou pas. Moi, quand il y a le mot moindre coup, présent. À quel point je suis vraiment pas certain que c'est une bonne idée. OK! Il arrivera ce qui arrivera, guys! Projet de cave! Ah, oh, c'est une mauvaise idée, man. J'ai peur, bébé. Ben, pis moi. Ça pue, hein? Non, ça pue pas. On va faire des chandelles, ça. Ça existe-tu, les chandelles? Ouh! À odeur des canettes? C'est pas si mal! Ouais, c'est vrai que là... Ah, oh, c'est affreux. Ça sent la bombe. Pas sûr que les poumons aiment ça. OK, assurez-vous de bien aérer à la maison, s'il vous plaît. T'enlèves le tape, et tu nettoies un petit peu ce qui a dépassé. Ça fait un job? Ça a coûté 12$! Ça aurait coûté 300, ça aurait coûté 200. Maintenant, il faut savoir où c'est qu'on met son argent, là. Parce que j'aurais dû attendre que ça sèche. Je le sais pas, vous le savez, j'ai aucune connaissance de ce que je fais. Bon, j'ai dit que ça s'enlevait bien. Moyen, ça s'enlève moyen. Hey! Bon, là, on prend une petite pause, on va peinturer. On va bien quand c'est fini de peinturer, OK? Parce que vous n'allez pas me regarder peinturer pendant une heure. Là. Pendant ce temps-là, ben, il n'y aura pas de pendant ce temps-là. OK, c'est ça.
À dans 2 secondes. Tadam! Partie 2. Partie 2 de... Là, j'ai mis 2 couches de peinture parce que... Au final, m'en fous un peu, tu comprends. Il va probablement finir par avoir de la céramique là-dessus si on va jusqu'au bout du projet. On va peut-être avoir un coup de main, fait que assure-toi de t'abonner et de liker la vidéo pour pas manquer la partie 3. Ça va prendre de l'ampleur tout ça. Là, on est en phase de test. Le mur est blanc. Les poignées d'armoire sont peinturées. On est à l'étape fatidique et cruciale et dramatique de installer le comptoir et je dois le couper moi-même. Et comme vous avez vu dans la partie 1, les lignes droites, c'est pas ma spécialité. Mais j'ai pas le choix. Fait que let's go! On va chercher le comptoir. Ah! OK! Comptoir de chez IKEA. Encore une fois. On n'est pas sponsorisé. Là, les gens vont dire « Ouais, prends pas tes mesures, blablabla. » Ben non. Parce que j'ai pas de talent. Et quand t'as pas de talent, t'improvises. Et quand t'improvises... Ça donne ce que ça donne. Fait que ce que je vais faire, vu que j'ai pas de talent, je vais juste faire une ligne en dessous, comme un chef, puis essayer de suivre cette ligne-là. Ça serait moins compliqué si j'étais le four aux poubelles puis je m'achetais un four encastré, mais dans un autre projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ma petite ligne. Je vais la faire pas trop proche du bord, parce que vaut mieux que je n'enlève pas trop. On va couper ça? On va couper ça. Chris, ça va dégénérer. D'ailleurs, toutes ces rénovations-là, c'était une mauvaise idée. OK. On se retrouve dehors. C'est mis une petite laine parce que commence à faire frette. On est au Québec, ici, faudrait des lunettes. Donc, tous les spécialistes du monde vont dire il faut une lame à mélamine. J'en ai pas, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, si je me trompe pas, le côté qui est bon, c'est lui. Il y a de fortes probabilités que je me trompe. On va couper et on va essayer de rester sur la ligne. Surveillez-moi ça. Ben, j'espère que c'était pas le côté qui était bon. On se retrouve à l'intérieur. Donc, me voici, me voilà, avec mon morceau coupé un peu à l'improviste. Ça fait un job! Il y a comme le mur ici, là. Il est comme pas droite. Mais je pense que si j'essayais de réparer ça, il y aurait plus de dégâts que de bénéfices. Je vous montre, ça ressemble à ça. Là, comme on voit, il y a un petit gap ici. Ça va coûter cher le silicone, mais c'est pas de ma faute, c'est le mur qui est pas droite. Donc, ça va sûrement mal finir si j'essaie de réparer ça. Et je pense juste que je vais le laisser comme ça, puis... De toute façon, c'est des travaux en attendant pour que ce soit plus beau. Et pour l'instant, c'est plus beau. Je vais à l'instant revisser mon petit comptoir en place. Avec des poignées et des tiroirs, là, ça va être parfait. Comme on a vu que ma technique avec le stylo et non ça a bien fonctionné, on va la réutiliser. Et pour les gens à la maison qui ne le savent pas, ce qui est mon cas, il paraîtrait que les murs dans une maison, c'est pas droit. Fait qu'il y a des gros trous partout dans le coin. Ah, ça va coûter cher le silicone. Fait qu'on va essayer. Puis selon le plan de IKEA, parce que ça vient de IKEA, hein, on va vous... Selon le plan de IKEA, faut que je mette ça de même. Puis là, je coupe. Puis là, je mets un autre comme ça. Puis c'est censé être beau. Oui, je suis pas d'accord. Mais j'ai pas le talent pour faire mieux. Fait que ça va être ça qui va être ça. On fait la petite ligne, pas trop proche du bord. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ma petite ligne est faite. On s'en va dehors. Est-ce qu'on paye? On va improviser! Étape numéro 2! Lunettes de sécurité, on coupe. Le guerrier de la rénovation. Étape numéro 2 terminée. On rentre en dedans pour faire l'étape numéro 2. Fait qu'est-ce que tout le monde suit? On est maintenant rendu à l'étape numéro 2. Ah, ça c'est mes doigts. Wow! Si j'ai bien fait mon travail, tout devrait rentrer comme un charme. Petit bout de bois va apparaître dans mes mains. Et voilà, apparitionné. Parce que là, si, mettons que la vie est crissement bien faite, là, cette boîte-là, il rentrait à perfection. Est-ce que la vie est bien faite? À l'œil, là, tu penses-tu? Non, je pense que ça, c'est trop gros. C'est-tu d'enfant de chien? Ça te tentait pas de pas me faire chier, man. Il manque genre 1,5 cm. Fait que là, on va aller couper 1,5 cm. Là, c'est là que ça va dégénérer, par exemple. Parce que là, moi, dans les mesures précises, Chris, ça va mal finir. Là, je vous donne un petit truc de gars de construction, OK? Parce que j'ai regardé plein de vidéos YouTube, là. Fait que là, j'ai pris ma mesure dans mon trou. C'est 11,5, OK? 11,5. Moi, je connais pas ça, les pouces. 11,5? 10,5. Ça, c'est mon problème, Misty.
J'ai pas de mémoire. Mais non, mais j'ai pas de mémoire. Fait que là, je mets mon crayon sur 10,5. Like a la, comme ça. Puis là, je fais juste suivre. Fait que ça devrait être 10,5 tout le long. Fait que ça devrait ressembler à ça. Il est où mon bouchon? Il est là, mon bouchon. Fait que là, on s'en va couper ça. On va filmer de en dedans parce que Caro a fret. Utilisez toujours vos lunettes. On suit la ligne! Là, vous avez tout vu ça en direct. Vous aurez... Si je l'ai, là, je veux que vous écrivez dans les commentaires. Martin, t'es le dieu de la rénovation. Pas de coupure. Un plan en direct. Viens ici, t'as Steve, on dit que je triche, les tabarnak. Regardez ça. Tout le monde en commentaire, vous écrivez Martin, le dieu de la rénovation. Là, vous allez me faire chier, c'est pas dans le même sens. Je suis d'accord avec vous autres, mais j'ai pas le talent de faire mieux. Puis IKEA, ils disent de faire comme ça dans leur livre. Calisse que je suis fier de moi. OK, je visse, je mets du silicone. Puis après ça, je vous reviens avec les poignets posés. Un petit reveal. Ah! Hey! Regarde. Avec un budget de... Bon, si on enlève les comptoirs... Un budget de 12$. OK, ça a coûté 12$. Fait que si je suis capable, t'es capable. C'était la partie 2. Il y aura beaucoup, plusieurs parties. OK? C'est juste un début. Parce que probablement que, avec les conseils de professionnels qui s'en viennent, il va peut-être y avoir un agrandissement, des murs qui tombent, un feu dans le cabanon. On le sait pas. Et moi, quand je pars, s'il n'y a rien qui m'arrête, ce n'est que le début. Préparez-vous, il va y avoir beaucoup de changements. Abonnez-vous pour la suite. Si vous ne suivez pas sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, venez nous voir, on est partout. C'est Happy Life Canada. Happy Life Canada. Probablement de la céramique qui s'en vient. Des nouvelles armoires aussi. Écoutez, le projet ne fait que commencer. Fait qu'abonnez-vous. Merci. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes des boss. Si vous êtes plus là, c'est manger toute ma merde. On se revoit dans l'étape numéro 3.